Ok. Volkov dirige la mafia russe qui a rejoint Berlin-Est à la construction du mur en 61. Ce type a des contacts avec des cartels dans toute l'Europe et aux Amériques. En le neutralisant, non seulement on frappe Perseus, mais aussi toute l'organisation. C'est un grand ponte. Et voilà notre gibier, Franz Kraus. D'après le MI6, c'est l'un des informateurs de Volkov. Il doit d'ailleurs lui livrer des renseignements demain soir. On va infiltrer Berlin-Est par le métro. Une station abandonnée de l'autre côté du mur donne sur un point d'accès. De là, on attend que Kraus entre dans la ville. Quand Volkov se pointe, on le capture ou on le tue. Dès que le train ralentit, toi et moi on saute. Park, Lazare, vous descendez après. Belle et moi on suivra Kraus. Allez, le train ralentit, c'est à nous de jouer. Allez, c'est parti! Prudence, les gardes est-allemands patrouillent encore dans ces vieilles stations. Patrouille droit devant. On peut se servir du train pour couvrir notre approche. Il y a du monde sur la plateforme. On l'élimine discrètement. Doucement. Prends ton temps. Avance. Gut. Ich muss mich setzen. Fischer, wie cool. Oberweichst du dich auf? Ich brauche Hilfe. Waffenfeuer. Malandrum! Wir haben Kontakt. Suis-moi, la sortie est là. Hé hey ! Merde ! Il faut ruser. Je suis cheminot. Je vais vous montrer mes papiers. C'est une zone interdite. Vous êtes en état d'arrestation. À terre ! Stop, stop, stop ! Un peu de calme. Je suis certain qu'on peut se... Maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Bien joué, on cache les corps. C'est cool ça. Kraus devrait bientôt atteindre le poste frontière. Faut qu'on monte sur le toit. Park, Lazare, on est presque en position. Bien reçu. Allez, par là. Fais gaffe au projecteur. Ils font pas les choses à moitié, faut le reconnaître. Qu'est-ce ?
Surveille bien le poste frontière. Kraus ne devrait plus trop tarder maintenant. Cherche Kraus avec l'appareil. Merde, la sécurité a encore été renforcée. S'ils arrêtent Kraus, il va rater son rendez-vous avec Volkov. Au poste frontière, le type avec la manette, c'est pas lui. Négatif. Bien joué, c'est bien lui. C'est Kraus. Suis-moi. Park, Kraus vient de traverser. Vous en êtes où? Lazare et moi, on attend votre arrivée au point d'exfiltration. Bien reçu. Selon nos sources, Kraus et Volkov se retrouveront dans le bar, juste en face. Le contact d'Hudson t'attend dedans. Elle a un parapluie bleu. Je reste là pour surveiller la rue. Enfin, je suis ravie de vous voir. Kraus est à la table derrière mon épaule droite. Bonsoir, monsieur. Que désirez-vous? Une Berliner Weiss, s'il vous plaît. Je vous reçois 5 sur 5. On attend Volkov maintenant. Hudson ne m'a pas dit grand-chose. C'est bien Volkov que vous voulez? Kraus vient de la Stasi, mais ne vous laissez pas duper par son apparence. C'est un vrai tueur. Qui sait, ce type est un vrai fantôme. Mais je dirais, un jour tout au plus. L'un de mes informateurs s'est fait prendre leur main contrôle. Ils l'ont arrêté pas très loin d'ici. La Stasi doit sûrement s'attendre à en trouver d'autres. J'ai une faveur à vous demander. Il ne tiendra pas longtemps sous la torture. Vous devez le sauver. Ou le faire taire. Ils le retiennent ici. Dankeschön. Regarde, Belle, je crois que Volkov arrive. Où est Volkov? Vous avez été suivi. Partez immédiatement et attendez notre appel. Nous fixerons un nouveau rendez-vous. Nous allons nous charger de l'agent qui vous suit. Belle, ça sent pas bon. Deux types de la Stasi viennent d'entrer. Tiens-toi de là, vite! Scheiße. Passez par les toilettes. Je vais les retenir. Discrétion, cachez-vous pour éviter de vous faire repérer les ennemis. Ich vorne gleich oben den Platz da drüben. Je vais mettre plus longtemps que prévu. Wir waren auf dem Heimweg. Oh, je vois Lazare et Park sans moi. Je vous tiens au courant. Ich bin noch bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Sie beide. Schon gut, schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Fais gaffe, Ben. La Stasi est partout. Dass Sie hier drin sind.
tue Ihnen nichts. Ich... Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Rejoins-moi dans le bâtiment en face de ta position actuelle. Ne fais pas remarquer, on a déjà assez de problèmes. Ich hab gar nichts versucht. Alles ist sicher, wir sehen so etwas. Was, Berger? Entweder führen Sie etwas im Schild. Völlig falsch, Alter. Sie haben nichts bei mir gefunden. Was soll ich denn vorgehabt haben? Es muss doch einen Grund geben, dass sich hier nach Sammlung von Polizeiwagen herumlungen. Ich bin nur vorbeigelaufen. Ist das verboten? Nichts versucht. Wir sehen so etwas. Was, Berger? Entweder führen Sie etwas im Schilde oder schätzen die Situation hier völlig falsch ein. Dann machen wir es auf die harte Tour. Park, au rapport. Je suis devant une boutique en face de chez Kraus. Il vient de rentrer. Et toi? La Stasi fouille la zone. Je fais profil bas. Je vous rejoins dès que les choses se calment. Belle, rejoins Park et Lazaro plus vite. Terminé. J'ai vu votre photo. Ils sont à votre hausse. Je comprends pas, j'étais en train de surveiller une des plantes du KGB et je sais pas ce qui m'a trahi. J'ai tout fait dans les règles. Volkov ? Une ordure. Une vraie crapule. Si vous le trouvez, vous pouvez la battre au plus vite. Pitié, je vous en prie. Libérez-moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. J'espère que tout ira bien. Allez-y. Ça va aller. Et merde. Non. Ich hol dir vor! Oh!
Merci pour ta discrétion, Belle. Là, on est foutu. Par ici. Oups. Doucement. Faudrait pas que les riverains nous dénoncent. Parqué dans le magasin d'électronique directement en face de chez Kraus. Je voulais lui rapporter une knackwurst de chez Brunbar, mais c'est déjà fermé. Parqué là, droit devant. S'est arrêté devant chez Kraus il y a quelques minutes, mais je ne pouvais rien voir. Juste une seconde. Kraus est au téléphone. Je commande à partir. Personne ne m'a suivi ou pas. Belle, surveille bien Kraus. La malade est en sécurité. Elle ne m'a pas quitté une seconde. Où et quand? Mais c'est pas mal endroit. À quoi tu penses, Lazare? On dirait que Volkov veut la mallette de Kraus. On devrait y mettre un tracker. Elle nous conduira droit à Volkov. L'un de nous peut s'infiltrer chez Kraus. Le plus dur, ce sera de les éviter, sa femme et lui. Belle et volontaire. Et pendant ce temps-là, je vais m'assurer qu'aucun invité surprise ne cache la fête. Park, tu restes ici pour surveiller. Je te ferai profiter de mon bon profil. Charmant. La Stasi arrête tout le monde. Fais attention. Belle, j'ai vu Kraus écrire dans un registre. Essaye de le trouver. Belle, si Kraus ou sa femme te repère, la mission est foutue. Tu peux neutraliser sa femme si c'est nécessaire, mais Kraus doit aller au rendez-vous. Je vais téléphoner chez Kraus. Prépare-toi à entrer. Bien joué. Maintenant, trouve la mallette. Allô? Désolée, mais il n'y a pas de Freya ici. Eh bien, oui, c'est mon numéro, mais je crains que... Écoutez, votre amie ne se trouve pas ici. Soit elle vous a donné un faux numéro, soit vous l'avez mal noté. Bien sûr, aucun problème. Et bonne soirée à vous aussi. Allô? Désolée, mais il n'y a pas de Freya ici. Eh bien, oui, c'est mon numéro, mais je crains que... Écoutez, votre amie ne se trouve pas ici. Soit elle vous aide... Eda, tu sais où est mon parapluie? Qu'est-ce que... Je dois partir dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais qui êtes-vous? Ok. Allô? Désolée, mais il n'y a pas de Freya ici. Eh bien, oui, c'est mon numéro, mais je crains que...
écoutez, votre ami ne se trouve pas ici. Soit elle vous a donné un faux numéro, soit vous l'avez mal noté. Bien sûr, aucun problème. Et bonne soirée à vous aussi. Warum machen Sie das? Allô? Désolé, mais il n'y a pas de Freya ici. Pas de mallette, ça? Eh bien, oui, c'est mon numéro, mais je crains que... Écoutez, votre ami ne se trouve pas ici. Soit elle vous a donné un faux numéro, soit vous l'avez mal noté. Bien sûr, aucun problème. Et bonne soirée à vous aussi. Attention, sa femme sort de la cuisine. Sa femme se dirige vers toi. Edda, tu sais où est mon parapluie? Je dois partir dans quelques minutes. Oui, Franz. Il est ici, dans le salon. Je te le mets devant la porte. Maman, j'ai perdu ma couverture. J'arrive dans deux minutes, William. Mince, on a raté le gamin. Sors de son bureau. Cache-toi. Brosse-toi les dents. Kraus arrive. Cache-toi. Qu'est-ce que... Si Kraus te voit, la mission est foutue. Allô? Désolé, mais il n'y a pas de Freya ici. Eh bien, oui, c'est mon numéro, mais je... Elle va rester KO un moment. Termine la mission. Edda, tu sais où est mon parapluie? Je dois partir dans quelques minutes.
Maman, j'ai perdu ma couverture. Brosse-toi les dents. Kraus ne doit pas te voir. Ada ? J'ai perdu le visuel sur Kraus chaque fois qu'il est entré dans cette pièce. Fouille partout. Tu n'as plus beaucoup de temps. Trouve la mallette. Installe le tracker et sors de là. Au secours ! Au secours ! À l'aide ! Au secours ! Oh ! Au secours ! Laisser entrer en douce dans votre appartement. Je serais incapable de vous expliquer comment il s'y est pris. Mais je voulais amener un cadeau qui pourrait bien rattraper votre erreur. Perseus recherche cette personne depuis longtemps. Vous direz à Perseus que je l'ai capturé. Nous avons Greta Keller, aussi. C'est son propre collègue qui l'a dénoncé. J'aurai ta peau, sale traître. Désolé, Greta. Il faut avouer que le KGB fait bien. Enfin. Perseus a mis une belle prime sur votre tête. Je me fous bien de vos questions. Fort malheureusement pour vous, il semble que vos amis ne soient pas vraiment au rendez-vous, camarades. Vous pourriez probablement m'être utile.
mais pas dans votre état. C'est aussi bien d'abréger vos souffrances. C'est quoi ces conneries? Tuez-les! Je m'occupe d'elle et de la mallette. Trouve Volkov. Bien, nous y voilà. Enfin. Belle, au nom du MI6, merci. On tient Volkov. Il s'en sort trop bien. Foutons le camp de Berlin maintenant.